Chabi Jazz, ça sera avec Timoh et son orchestre. Au beau milieu du spectacle, vous aurez l'ensemble Tabulatura de Hongrie et on ouvrira maintenant en beauté avec le Sénégal. Ablaye Sissoko, applaudissements pour tous les artistes de ce soir.
Et quand cette opportunité nous est offerte, on est vraiment heureux. On remercie les organisateurs de cet événement et pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, je suis un de vos ambassadeurs pour qu'on puisse continuer ensemble. Merci beaucoup.
Thank you.
pièce qui s'appelle Amake Jonte. C'est une pièce aussi que j'ai écrite qui parle des jeunes femmes ménagères qui travaillent dans la maison. Ces filles viennent des villages. Après la fin de la récolte, il n'y a plus de travail, donc ils ne peuvent plus travailler la terre. Donc ils vont rejoindre les grandes villes pour chercher du travail. Et dès qu'elles arrivent dans ces grandes métropoles avec aucune qualification, elles vont être comme des bornes, en fait, domestiques de maison. Et ces jeunes filles sont vraiment surexploitées. Elles commencent à travailler avant que le soleil ne se lève. Le soleil va se coucher, elles sont toujours là en train de travailler. Elles sont abusées, des fois elles sont traitées de tous les noms. Elles travaillent très bien. Elles travaillent tellement bien qu'ils arrivent même que ces jeunes filles s'occupent du monsieur parce que madame a pensé être au bureau ou ailleurs. Chez moi, j'ai une bonne, mais ma femme, elle veut toujours choisir. Parce qu'elle dit que quand elle va choisir une vilaine fille, comme ça je ne vais pas la regarder. Je dis, chérie, une femme vilaine, elle n'existe pas. Ça, c'est juste une parenthèse pour dire, je n'ai pas de bon chez moi. Juste pour dire, c'est un grand fléau qui part partout. En Afrique, particulièrement au Sénégal, tout le monde peut se permettre d'avoir une bonne chez eux parce que ça ne coûte pas cher. Même soi-disant les bonnes. Et il y en a d'autres qui sont abusés. Il y en a d'autres qui ont la possibilité d'être dans certaines familles où ils sont bien traités, bien payés, ou voire même on leur donne la possibilité d'apprendre un autre métier. D'après les statistiques, c'est vraiment insignifiant. Ces filles sont condamnées à rester des bonnes parce que la maman était bonne, parce que la grand-mère était bonne. Et si rien n'est fait, leurs descendants aussi vont suivre le même chemin. Ceci est mon environnement. Et si j'ose l'imaginer, soi-disant le premier jour de cette planète qui était une paradis, s'il est devenu aujourd'hui, c'est les hommes qui nous mettent dans cet état. Et si on veut que ça change, il faut que vraiment les gens changent. Ma fille aînée vient d'avoir 19 ans. Quand je suis au pays, elle prend du poids, elle est bien. Mais quand je voyage, quand je reviens, je trouve qu'elle maigrit. Parce que sa mère le fait travailler. Je dis, mais moi, ma fille, je veux qu'elle aille à l'école. Elle me dit, non, une fille doit savoir cuisiner. Ça, c'est un vieil disque. Il faut s'adapter. Moi, je veux qu'elle aille à l'école. Tout ce que je souhaite, c'est que pour que ce monde puisse changer, il faut que les gens aient la volonté de le faire. Pour que nos enfants, nos petits-enfants, puissent trouver une terre mieux que la nôtre. Cette chanson s'appelle Amake Jonte. Amake Jonte veut dire, cette fille-là, ce n'est pas une esclave. Elle n'est pas une esclave. Elle n'est pas votre esclave. Elle est là malgré elle parce qu'elle veut gagner sa vie dignement. Thank you.
Je vous ai ramené.